Alors, on va lui demander de venir. Vous voulez venir nous rejoindre? C'est un très gentil garçon. Un très très gentil garçon que vous avez. Oui, voilà. Vous asseyez à côté de nous. Bonjour. Bonjour. Comment vous avez dit bonjour. Comment vous allez-vous? Vous n'avez pas encore vu. Alors voilà. Non, bon. J'ai demandé. Vous avez commencé sans moi. Bah oui, parce que bon. Tu n'étais pas là. Bah, nous avons dit quelque voilà. chose. Alors, je crois que la caméra est un gros plan maintenant sur vous, Michel Serrault, bien sûr. Idée neuve que vous l'ayez demandé dans votre émission, ça surprend tout le monde. Vous savez, c'est une idée, oui, c'est une idée, mais j'aime bien parler avec Michel et Vous avez encore des choses à vous dire? Je n'aime pas, oui, mais bien sûr. Ah, oui. On n'aura pas le temps d'ailleurs de tout dire. Non, je vous arrêterai avant. On ne va pas pouvoir dire ici, de toute façon, certains sujets qu'on ne va pas pouvoir aborder. Non, mais j'aime bien parler avec Michel parce que c'est un homme avec lequel je peux parler de tout. Non, ce qui est intéressant, pas uniquement de métier. Ce qui est intéressant plus sérieusement, c'est qu'on a toujours l'impression que ces duos, c'est des duos qui se prolongent parce que le succès veut qu'ils se prolongent et que c'est presque autant des duos d'intérêt que d'amitié. Or, dans votre cas, c'est vraiment de l'amitié. Vous êtes vraiment amis et liés. Je vous en prie. Mon cher professeur, je peux vous appeler professeur parce que vous allez faire venir une sommité. Une sommité où on va s'appeler professeur et maître. Oui. Non, bah, je crois, vous savez que. C'est comme dans un couple, comme dans un ménage. Là, une question d'intérêt, quand on parle d'intérêt, il y a toujours un intérêt sordide. Je veux dire, si on est ensemble, si on fait sa vie ensemble ou si on fait une partie de sa vie professionnelle ensemble, c'est parce qu'on a un intérêt, mais dans le sens de la vie en commun. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux mêmes choses, on s'intéresse aux mêmes formes, en l'occurrence aux mêmes formes d'humour, aux mêmes formes de comique. Et puis, je crois que nous ne nous sommes jamais saturés l'un l'autre, nous n'avons jamais trop empiété sur nos vies d'hommes à l'un et à l'autre. Et puis, très vite, nous nous sommes... séparés pour jouer Michel d'un côté, moi d'un autre. On a l'impression que votre association elle a duré tellement d'années, mais finalement ça fait longtemps que vous jouez séparément aussi. Oui, on a joué souvent séparément, mais on était toujours ensemble, ou au cabaret, ou au théâtre. Enfin, je veux dire, pendant très très longtemps, on ne s'est pas quitté finalement, mais on était effectivement. Peut-être que Jean jouait une pièce, par exemple, tu as joué Fleur de Cactus, je jouais Monsieur Blot à ce moment-là, et on se retrouvait le soir. Donc ça fait très longtemps qu'on ne se quitte pas. Bien entendu. Sans compter La Cage aux Folles, vous avez joué 4 ans ensemble. Oui, et puis nous nous sommes retrouvés, nous avions joué auparavant un vaudeville anglais qui s'appelait Le Vison Voyageur. Nous nous sommes retrouvés là, et puis bon. Michel a fait du cinéma, Michel a tourné, et puis nous nous sommes retrouvés pour La Cage aux Folles, et à nouveau, là, bon, j'ai créé une pièce. Bon. Et vous écrivez une pièce où vous serez tous les deux? J'espère pour Michel, pour moi, je ne sais pas. Vous savez, il y a toujours le problème, quand on écrit, il y a toujours le problème d'équilibrer des rôles, de trouver sa pâture à chacun. Il n'y a jamais eu de rivalité entre vous, honnêtement, comme ça. Écoutez, on nous pose souvent la question. Oui, non, mais je ne prétends pas faire dans l'originalité la plus grande, je ne serai pas la seule. Non, mais rivalité, on ne va pas parler d'années, parce que ça fait quelques années. Oui. S'il y en avait eu, je crois qu'il y en aurait eu au bout de 3 mois de collaboration. Et alors, j'en disais, par exemple, que... il y a des affinités. Et en même temps, je crois que c'est très important, c'est en même temps qu'on fait notre métier de comédien, le temps passe et nous vivons, comme nous sommes, je le disais, des gens quand même très près du métier, bien sûr, et c'est notre vie. Et je veux dire que vous comprenez qu'en même temps, si on ne s'entendait pas bien, s'il n'y avait pas quand même entre nous une grande amitié, je veux dire, ça serait pas possible. Parce que ce qui est important, c'est de... Le temps passe, nous vivons, je veux dire, notre vie en même temps qu'on fait ce métier. Mmh. On ne fait pas son métier, mais on ne va pas se dire on va faire son métier pendant 30 ans et on va vivre 30 ans après, n'est-ce pas? Ce qu'on a tendance au début d'une carrière à penser juste ça. Alors il y a un équilibre à trouver justement entre le travail et puis les gens qu'on rencontre. C'est pour ça qu'il faut que la vie, vous la ressentiez de la même manière. Absolument, mais sinon ça ne serait pas possible. Soit identique. Alors avec Jean, ça fait quelques années ou quelques mois qu'on travaille ensemble. Mais vous êtes d'accord sur les événements du monde, sur votre jugement, vous téléphonez? Vous pensez la même chose? Profondément, ce qui se passe. Oui, bien sûr. Parce que vous savez, il y a cette chose fondamentale dans un, disons pas duo, dans une association, dans toutes les associations. Pour moi, le critère, c'est de ne pas avoir à aller au bout presque d'une phrase ou au bout d'une idée pour être compris
par son partenaire. Jamais, jamais nous avons travaillé ensemble, nous écrivions ensemble dans les séances de travail. Jamais il n'est arrivé à Michel, jamais il ne m'est arrivé à moi de dire « Non, j'ai pas compris ce que... Non, qu'est-ce que... d'exprimer une idée, j'ai pas compris. » Et ça, ça dépasse notre cadre, ce qui fait qu'il y a effectivement un petit groupe de personnes avec lesquelles nous aimons nous retrouver, nous aimons être. Ce sont des personnes, il faut travailler dans ce métier sur la même longueur d'onde. Alors on parle de chapelle quand on veut être déplaisant, mais pas du tout, c'est la même longueur d'onde, parce qu'il faut ne pas avoir à expliquer aux gens, il faut être surtout dans le comique. Non, vous êtes sur la même longueur d'onde, voilà. Dans le métier, mais aussi sur le reste de la vie. Enfin, bah, vous savez, je crois que ça en découle. L'inspiration des numéros qu'on pouvait avoir, ça ressemblait à des choses qu'on ressentait de la même manière, et de jouer la comédie. Vous savez, je pense que, comme par exemple, quand on voit jouer les comédiens, je pense, dis-moi comment tu joues et je te dirai qui tu es. Oui. Je pense que ça se voit, vous voyez. Il y a des familles de gens, et alors, c'est un tout. Vous avez les mêmes opinions politiques? Je ne vous demande pas lesquelles, mais vous pensez de la même manière? Oui, sensiblement, oui, toujours. Sur le plan humain, oui. Absolument, absolument. Sur le plan humain. Absolument. Parce que je pense qu'il y a des options qui sont de grandes options, et puis après, il y a le détail. Ça se ventile avec dénuance. Je ne vous demanderai pas comment vous ventilez. Vous avez jamais... je vous ai dit une chose très importante, c'est qu'on parlait de collaboration, de travail en commun. Et Jean disait, on n'a pas besoin de s'expliquer. Et le plus difficile dans ce métier, c'est pour faire passer, évidemment... Surtout dans le comique, Jean a raison, de faire passer des idées ou des gags, vous voyez. Si on doit s'expliquer, c'est pas possible. Et puis une chose très importante aussi, c'est que quand on travaille à deux, je le vois, moi, par exemple, quand on me fait lire un scénario, c'est très difficile de travailler à deux. Je veux dire, il faut pas venir en critique, il faut venir écouter ce que l'autre dit, et si possible l'enrichir, mais ne pas systématiquement écouter l'autre, n'est-ce pas? Moi je vois des choses, on vous dit, on vous amène une pièce, on vous amène un scénario, et j'entends des gens dire, il est très bien, mais il faudrait changer l'histoire. Les gens ne travaillent pas sur ce qu'on leur propose, ils sont tout de suite à côté, et pour faire briller leurs idées. C'est pas ça la collaboration, dans mon avis, dans le métier, c'est d'essayer de comprendre ce que Jean m'explique, et comment ça peut aboutir. D'être complémentaire. Ah, oui. Et alors ça, je trouve que, alors c'est aussi bien avec un auteur, c'est aussi bien avec des partenaires, avec des comédiens, et c'est aussi bien aussi avec un metteur en scène, hélas. C'est pour ça que vous parliez tout à l'heure, nous dire, vous ne vous êtes jamais trouvé en rivalité, pas du tout justement, parce que je crois que nous sommes complémentaires. Oui, je crois qu'on l'a compris. Vous n'avez jamais eu envie de fonder une compagnie, tous les deux? On nous a demandé, je crois, oui, plusieurs fois. Oui, on nous a demandé. On a notre compagnie quand même, vous savez. Oui, nous sommes des gens de bonne compagnie, d'ailleurs, comme vous pouvez peut-être en juger.